Vous avez dans les mains une enveloppe verte. Oui, vous avez raison. Vous avez dans les mains une enveloppe verte. Et oui, c'est ce que je dis, vous avez raison. À moins que nous ne soyons tous les deux daltoniens, auquel cas ils seraient en réalité rouges ou vertes. Ah, il y a un piège, une énigme. Elles ne sont pas vertes en fait. Je n'ai jamais vu ça. Je suis rapide pour les énigmes. On me le dit souvent. Cela dit, je n'ai pas vraiment de mérite. Je sais que les daltoniens protanopes voient du vert à la place du rouge. Parce que j'ai un ami, metteur en scène, qui est daltonien protanope. Alors, c'est compliqué, parce que comme le vert porte malheur sur scène, oui, c'est depuis Molière, enfin non, même avant, parce qu'au XVIe siècle, le pigment vert était extrêmement toxique, et porter un costume vert était extrêmement dangereux. Et c'est après que Molière est mort sur scène. Oui, j'ai appris pour Molière, Enfin, c'est dramatique. oui, bon, il a fait un malaise sur scène, et il est mort dans les heures qui suivirent. Et il portait un costume vert. Alors vous imaginez. Je disais, pas évident. Certes. Pas évident pour un metteur en scène qui voit tout en vert de respecter la tradition de la licence de vert. Certes. Parce que de toute façon, pour lui, tout est vert. De fait, oui. De fait, oui. Donc finalement, puisque pour lui tout est vert, cela porte malheur. On ne peut pas dire que c'est faux, parce que lui ne voit pas le vert. Les couleurs, elles n'existent que par ceux qui les regardent, non? Oui. Donc sa vision a autant de valeur que la mienne et que la vôtre. Donc, cette enveloppe, je vous rassure, est bien verte. D'accord. Se concentre. Dans quelle case allez-vous la mettre, hein? Je ne sais pas. Il y a quelque chose que je n'ai pas vu. Il y a une croix en transparence. Je vous rappelle que j'ai placé une petite pastille afin de vous aider à placer les enveloppes dans le bon casier. Bien, reprenons. Si vous le voulez bien, les 10 étapes du processus de tri. 1. On prend l'enveloppe. 2. On l'observe pour en déterminer la couleur. 3. On la retourne pour vérifier qu'il n'y ait pas de croix. 4. On vérifie qu'elle soit convenablement scellée. 5. On observe tous les casiers. 6. On glisse l'enveloppe dans la fente du casier comme ceci. On tend l'oreille afin de vérifier que l'enveloppe s'affaisse correctement sur le lit de ses semblables. Oh mon Dieu! Quoi? Toujours pas clair? C'est surtout horripilant, comme cette tenue que l'on m'oblige à porter, et surtout c'est angoissant, et puis cette lumière, vous voyez? Estimez-vous heureuse d'être dans les normes physiquement? L'IMC de ma dernière recrue dépassait les 34. Mince. Et vous ne lui avez pas fait un vêtement sur mesure? Non, bien sûr, nous sommes là pour l'aider à s'adapter au monde, et non l'inverse. Ça? Mais, vous avez digressé. Reprenons. Allons-y. Vous avez digressé. Reprenons. Allons-y. Bien, mon colonel. Ah oui, bien mon colonel. Où en étions-nous? À l'IMC de votre dernière recrue. À l'enveloppe verte! Ah ok, mais je n'ai toujours pas saisi la subtilité. Vous devenez rouge? C'est l'indice? Non, c'est un fait. Je disais, vous devenez rouge. Perdez vos moyens, émotivité, doute. C'est pas bon, ça. Vous vous laissez déstabiliser. Attendez. Enveloppe. Verte. Stabilité. Attendez, je sens que j'avais trouvé. Moyen, émotivité, moyen, émotivité, verte, stabilité. Non, vous vous égarez. Chut, attendez, je sens que ça vient. Le vert est la couleur de la jalousie, de l'instabilité, moyen, le vert est la couleur des dollars. Bon, ça suffit. Ça nous ramène à la jalousie qui implique l'émotivité. Ça suffit. Bien, mon colonel. Bien. Vous êtes à 13 heures de présence ici, je vous laisse poursuivre 1 heure seule. C'est compris? Bon. Bien, mon Ah colonel. oui, bien, mon colonel. Scène 2. Hélène s'arrête subitement de placer. Qu'est-ce qu'on me fait faire là, hein? Qu'est-ce qu'on me fait faire? Je ne serai jamais prête. Je ne serai jamais prête, Ariane. Tu comptais sur moi. Ariane, tu étais le rôle de ma vie, je crois. Je fasse quelque chose, je vais perdre le texte, je vais perdre le texte. J'avais promis à ma mère de suivre mes rêves et voilà que je me retrouve obligée à placer ces putains de couleurs. Elle froisse et jette plusieurs enveloppes. À toi, maman. Le fil que je vous tendis,
C'était des rendez-vous, une accroche à mon cœur, un ultime rendez-vous. Au lieu de notre liberté, je dois me résoudre à voir dans ce labyrinthe l'amour se dissoudre. Que valent les alliances et les couronnes d'or si se fond sur les mers ma promesse d'Oran, d'Oran, Thésée. Ne sens-tu pas mon orgueil qui saigne là-bas, sur l'écume où tu ériges ton règne? Au fond de ma main se creuse la solitude, la démence naît de ton ingratitude. Je t'ai offert mon fil et mon cœur fragile, et tu m'as laissé périr sur cette île. C'est inadmissible! Inadmissible, mademoiselle, vous avez enfreint le règlement. Vous croyez où, là? Regardez, regardez, vous faites pleurer les murs. Les murs sont inondés de larmes. Il va falloir tout rénover. Ici, le sol a gonflé comme les excentricités, c'est terminé. Pour que vous parveniez à vous recentrer sur vos priorités, quelle est notre priorité? Claire. Paraître normal? Non, 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 cette fois, non. Notre priorité, c'est de mettre cette enveloppe dans le bon casier. Et uniquement, on y va. Cette enveloppe est verte. Nous sommes d'accord là-dessus. Très bien, on progresse. Il y a donc sept couleurs, sept casiers de type A, sept formulaires à pré-remplir, sept gestes précis. Allons-y, allons-y. Je vais donc glisser l'enveloppe verte dans le casier correspondant. Sept. 7. Au fait, vous n'avez pas pensé aux 7 jeunes filles et aux 7 garçons que l'on sacrifiait au Minotaure? Pas du tout, pas du tout, pas du tout le sujet! Il y a 7 étapes, ce n'est pas compliqué! 7, c'est de la neutralité, le potentiel, l'hydrogène, pH, 7. 1. On prend l'enveloppe. 2. On l'observe pour en déterminer la couleur. 3. On la retourne pour vérifier qu'il n'y ait pas de croix. 4. On vérifie qu'elle soit convenablement scellée. 5. On observe tous les casiers. 6. On glisse l'enveloppe dans la fente du casier comme ceci. Tous les casiers. 6. On glisse l'enveloppe dans la fente du casier comme ceci. 7. On tend l'oreille. On vérifie que l'enveloppe s'adresse correctement sur le bout de ce semblable. Alors. Ça fait du bien, non? C'est bon, hein? Oui, pardon. Vous commencez à apprécier. Pour l'instant, je m'efforce d'apprécier. On continue. Pas un mot. On écoute la muse. On écoute la muse. Un, deux, trois. Le chiffre de l'ordre commence. Le quatrième nom premier super singulier. Le loup, les sept chevrons, blanche neige, les sept nains, les sept demoiselles que Galahad délivra du château des pucelles. Allons, allons, cette enveloppe orange doit aller dans le casier des enveloppes orange. Ah, vous pourriez arrêter de tournoyer autour de moi comme une mouche. D'aller dans le casier des enveloppes orange. Ah, vous pourriez arrêter de tournoyer autour de moi comme une mouche, là. Tiens, la tawaf. Savez-vous que la circumambulation exige non pas 8, mais 7 tours autour de la cave? Attention, hein. 7. Étape 1, on prend l'enveloppe. 2, on l'observe pour en déterminer la couleur. 3, on la retourne pour vérifier qu'il n'y ait pas de croix. 4, on vérifie qu'elle soit convenablement scellée. 5, on observe tous les casiers. 6, on glisse l'enveloppe dans la fente du casier comme ceci. 7, on prend l'oreille. 6, on glisse l'enveloppe dans la fente du casier comme ceci. 7, on prend l'oreille afin de vérifier que l'enveloppe s'apaise correctement entre les deux et semblables. Et voilà, en musique, on persévère. Séquence, neutralité, abnégation, et un, deux, trois, quatre, cinq.
5, 6 et 7. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Pourquoi faites-vous cette pile-là? Qu'est-ce que c'est? J'ai pensé qu'on pouvait au table les mettre ensemble par couleur. Ça gagnerait du temps pour faire quelque chose de plus artistique, de plus envoûtant. On pourrait mettre une toile au fond et utiliser un support photographique et faire des tirages argentiques. On est en plein dans la thématique de la diversité avec les palettes. Vous vous dispersez encore. Reprenez. Bien, là, en œuvre. Allez, et un. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Calmez-vous. Regardez-moi. Tout vous ramène dans votre niche. Tenez. Moi, je sais que notre histoire est liée au chiffre 7. Par exemple, ma mère est morte à 49 ans. Le carré de 7. Tout nous ramène à la même niche. Prendre notre mal en patience, se conformer au monde. Et si l'on préfère se rouler dans les étoiles, je vous jure que vous essayez de me faire ça, je vous allez, jure. Allez, pensez à votre mère. En mode séquentiel. Et un. Tu veux plus d'efficacité, hein? Tu vas en avoir, Minotaure! Elle prend précipitamment les enveloppes et les croise, les déchire et les jette. Le colonel la poursuit pour récupérer les matériaux. Ah non! 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 Bah, je suis efficace, là, non? Le protocole! Il y a le protocole, c'est sérieux, si on le vous demande, le col, les 7 étapes, 7! Il y a tout les enveloppes dans les casiers. Ah, il est foutu ton petit protocole de merde là, hein? Tout part à volo en miettes, en déchirure! Silence! 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 Écoutez. Vous êtes là afin que votre cerveau engramme ses procédures. Donc, vous allez les faire une par une. Rien. On peut aussi les disposer de façon à rappeler les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, ou les classer selon ce que symbolise la couleur. Vert, espoir. Bleu, sérénité. Le rouge, la passion. Je suis verte, espoir. Puis je suis en rouge, passion. Je suis bleue, sérénité. Je suis jaune. Vous avez déjà été trahi. Arrêtez immédiatement! Prenez une seule enveloppe. Là, voilà. Étape 1, on prend l'enveloppe. 2, on l'observe pour en déterminer la couleur. Allez-y, observez-la. 3, on la retourne pour vérifier qu'il n'y ait pas de croix. Voilà, 6, 5, 4, on vérifie qu'elle soit convenablement scellée. 5, on observe tout. Les casiers, 6, on glisse l'enveloppe à la fente du casier comme ceci, 7, on tend l'oreille afin de vérifier que l'enveloppe s'affaisse correctement sur le lieu de ses sangs. Arrêtez, c'est une torture. Je n'y arriverai pas. Je le sais, je n'y arriverai pas. J'ai jamais réussi à faire ce genre de choses. Je ne supporte pas, je ne suis pas comme vous. Et moi, je suis vraiment, d'après vous. Aussi, j'ai des organes, des glandes, des hormones. Ça ne m'empêche pas de respecter les procédures. Oui, c'est ça. Vous avez besoin d'avoir le contrôle, le talent sans procédure. Vous ne comprenez pas, ça vous est vrai? Il se passe quoi si je les place dans le mauvais casier, hein? Ça va faire quoi?
Tu chies dans ton broc, là. Hein. C'était la fin du monde, hein. Un rouge patient. Arrêtez de crier. Il faut bien vous rappeler. Ça suffit. Vous dépassez les bornes. Mais vous avez mis une trace de votre épiderme sur l'enveloppe. Non, c'est pas possible. C'est sale. C'est sale. Vous avez laissé une trace de doigt sur l'enveloppe. Oh. Oh. Monsieur. Monsieur. Oh. Mon colonel. C'est sale. Oh. Enfin, calmez-vous. On la voit à peine, cette trace. On dirait ma mère. Ma mère, elle ne supportait pas les traces de doigts. Avec les bactéries, ça la rendait malade. Négligente. Regardez autour de vous, tout est propre. Rien ne dépasse. Et vous, vous arrivez avec vos doigts enduits de graisse et vous massacrez mon environnement de travail négligent. Arrêtez! Regardez! Je vous dis qu'on ne voit rien! Non, 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 rien, rien, non! On ne voit rien? On ne voit rien! Menteuse! Méchante menteuse! Non! Non, on ne voit rien, presque rien. Je ne suis pas une menteuse, moi, et je ne vous permettrai pas de prétendre l'inverse. Faites-moi sortir d'ici. Bon sang, j'en peux plus. Bouffez les murs. Thank you.